sermons. Let this building be filled with the presence of Almighty God, and if nothing else, be satisfactory to us. Hallelujah. Come on, give Him praise. Be filled. Let this house be filled with the glory of the Lord. Yes, Jesus. Bienvenue à tout le monde, bonjour. Comment vous allez ce matin? Ça fait moins froid qu'il y a quelques temps. Hein? Mais honnêtement, moi, j'aurais préféré qu'il fasse froid avec de la neige. Vous avez fait bonne route. En tout cas, j'aimerais vous accueillir au nom du Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus dans cette journée, dans cette célébration. J'aimerais accueillir en particulier les nouveaux, les visiteurs. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là en visite pour la première fois? Si vous pouvez juste lever la main, signaler. Bienvenue. Bienvenue à chacun. C'est un honneur pour nous de vous avoir parmi nous. Et puis, j'aimerais aussi accueillir tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Top Chrétien. Soyez aussi les bienvenus. On croit vraiment que même ce que vous suiviez ici en direct ou bien plus tard, peu importe, le Seigneur, c'est le même ici, c'est le même chez vous, c'est le même partout. Donc, il y a quelque chose pour chacun. Et puis, j'aimerais vous demander de faire aussi un chaleureux accueil à nos apôtres Mado et Werner Lehmann qui sont là aujourd'hui. Soyez les bienvenus. C'est Werner qui nous amènera le message tout à l'heure et on se réjouit de l'entendre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais... Moi, quand même, chaque fois que soit Amado, soit Werner viennent pour nous amener un message, je suis tout excité parce que je sais qu'il y a quelque chose de bon qui vient et je me réjouis vraiment d'entendre ce que le Seigneur a mis sur leur cœur. Et puis, j'aimerais aussi vous rappeler que, comme tous les matins, on a des équipiers de prière qui sont là. Ce matin, c'est Pauline et puis Alain qui nous servent dans ce ministère. Et ils se tiendront sur votre droite à la fin de la célébration. Vous pouvez aussi aller vers eux en cours de célébration s'il y a besoin de prière. Après que l'ange il a annoncé à Marie qu'elle était la femme, la jeune femme bénie entre toutes les femmes, après que cet ange lui a annoncé qu'elle allait être la mère du Messie, elle a fait quoi Marie? Ben, elle n'a pas pris ses jambes à son cou, non, mais elle a pris un sac sur le dos, elle est partie dans la montagne, elle était rendre visite à sa cousine Élisabeth. Et puis, la Bible nous dit que dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. » Mes amis, il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin. C'est que quand un chrétien né de nouveau entre quelque part, ça peut changer l'atmosphère. Est-ce qu'on est vraiment conscient de ça? Est-ce qu'on est vraiment conscient que quand on entre quelque part, on y emmène avec nous le Saint-Esprit, la puissance de Dieu? Est-ce que du coup, on se réjouit quand on voit comme aujourd'hui nos frères et sœurs qui sont là? Vous tous qui êtes venus, vous avez l'Esprit de Dieu en vous? Est-ce que ça fait vibrer en moi le Saint-Esprit qui est là tout content de voir les frères et sœurs? Est-ce que vous vous réjouissez en voyant l'onction et ce que Jésus a fait dans les vies de chacun de vos frères et sœurs qui sont là? Est-ce que vous vous réjouissez quand vous constatez, quand vous voyez ce que Jésus a fait dans vos propres vies? Et est-ce qu'on a envie, comme Élisabeth et comme Marie, de nous réjouir de ces bénédictions et de la présence de Dieu? Alors, ce n'était pas vraiment une question, mais c'est vrai qu'un « Amen » ou un « Ouais, super », ça aurait été pas mal aussi. Alors, moi, je vous propose qu'on reconnaisse ensemble et qu'on déclare ensemble que l'Esprit de Dieu est ici, présent, maintenant, dans ce lieu, et qu'on lui rende la gloire qu'il mérite. Et puis pour ça, je vous invite à vous lever. On va commencer par prier ensemble. Oui, Saint-Esprit, on te remercie parce que tu es présent effectivement dans ce lieu. Parce qu'on sait que tu y es, non seulement parce que tu étais là avant nous et tu nous accueilles,
mais aussi parce que selon ce que dit ta parole, quand on va quelque part, tu nous accompagnes parce que tu es là en nous. Et tous ces chrétiens qui sont réunis ce matin, c'est ton corps qui est réuni. Et Seigneur, tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et on sait, Seigneur Jésus, que tu es là au milieu de nous. Et c'est vrai que c'est toi qu'on veut accueillir. C'est toi qu'on veut célébrer ce matin. Et alors qu'on sait que tu es présent, alors qu'on le reconnaît et qu'on l'atteste, on veut aussi te soumettre nos vies, te soumettre nos pensées, te soumettre nos émotions, te soumettre notre semaine, te soumettre tout notre vécu, tout notre être, tout notre chair, tout ce qui fait notre humanité. On veut le soumettre à ton autorité. Parce que tu as payé le prix qu'il faut pour ça, Seigneur. Parce que tu es mort et ressuscité pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos maladies, pour nos angoisses, pour nos craintes, pour nos soucis. Tu as tout porté, Seigneur. Et on pose ça à tes pieds parce qu'on veut vraiment se réjouir, célébrer ton nom, déclarer ta gloire au nom de Jésus. Amen. Église, est-ce que tu es prête à faire trembler les murs par tes louanges? Est-ce que tu es prête à joindre ta voix à celle des anges ce matin? Est-ce que tu es prête à faire résonner le nom de Jésus en ce lieu? Alors je t'invite à le proclamer, à le louer, à l'adorer, en suivant l'équipe conduite par Sandrine. Amen. Amen. Seigneur, on veut célébrer ton nom. On veut faire trembler les murs, Seigneur. On veut faire trembler les forteresses, Seigneur. Et on veut déclarer que ton nom résonne en ce lieu. Vous êtes prêts? On peut taper des mains.
joie à la présence de Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, nous invoquons ton nom. Seigneur, tu fais trembler les murs. Tu fais trembler les forteresses, Seigneur. Tout pour toi, tout à toi, Seigneur. Répands ton esprit. Répands ta puissance, Seigneur, dans nos vies. Nous réalisons, Seigneur, combien tu es grand et combien il est bon de louer ton Saint-Nom. Jésus, que mon cœur soit tout à toi. Tout à toi, Jésus. Rien d'autre n'est plus beau, rien d'autre n'est plus puissant, Seigneur, que ton nom, que ta présence dans nos vies. Église, faisons monter notre louange et notre adoration. Contemplons le roi des rois. Disons-lui, tu es notre Dieu. Tu es notre roi, Seigneur. Et je te laisse toute la place qui t'est due, Jésus. Jésus, toute la place, oh Jésus, viens, viens, oh Jésus, chantons, captivé par ta présence, je veux demeurer. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien.
Je crois que le Seigneur veut s'adresser à un homme ce matin qui est au milieu de nous. Parce qu'il veut vraiment lui dire ce matin, mais je veux ton cœur. Il y a beaucoup de choses que tu fais, que tu vis, qui sont dans les apparences. Et ça peut avoir l'apparence du religieux, ça peut avoir l'apparence du spirituel. Mais le Seigneur te dit ce matin, mais c'est toi que je veux rencontrer. C'est toi que je veux pouvoir connaître personnellement. Et je pense que Jésus veut te dire, en fait, que tu peux lui faire confiance. En fait, c'est pas que tu es animé d'un esprit religieux, que tu es fondamentalement quelqu'un de borné ou de légaliste. Mais tu es quelqu'un qui se protège beaucoup. Et tu as peur de souffrir. Tu as peur que si tu lâches complètement ta vie dans les mains de Jésus, tu as peur qu'alors tu puisses plus faire ce que tu veux ou qu'il va t'emmener dans des confins que tu n'aimerais pas. Et ce matin, moi, j'aimerais juste pouvoir t'inviter à quelque part à lui donner ta vie tout à nouveau. Et je crois que cette parole s'adresse à plusieurs personnes aujourd'hui. Je crois que, et particulièrement des hommes, je le disais, peut-être il y a des femmes, mais particulièrement des hommes. Parce que souvent, ce qu'on attend d'un homme, c'est qu'il se montre fort, c'est qu'il se montre sans faiblesse, c'est qu'il se montre capable. Et puis même malgré tous les discours d'aujourd'hui de la société, la réalité c'est que si tu te montres tes faiblesses, ben tu te fais ramasser, tu te fais démolir. Ce matin, j'aimerais juste t'inviter à pouvoir fermer les yeux, mais à pouvoir lever ta main devant Jésus et pouvoir lui dire ce matin, Jésus, ok, je refais ce pas de marcher avec toi. Je veux te faire confiance. Je veux croire que tes projets pour moi sont bien meilleurs que moi-même ce que je peux imaginer. Et si c'est ton cas ce matin, j'aimerais juste t'inviter. Est-ce que tu serais d'accord de lever la main devant Jésus et lui dire, oui Seigneur, je m'engage tout à nouveau. Il y a plusieurs personnes qui lèvent la main ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez certains que le Saint-Esprit veut vous visiter aujourd'hui. Seigneur, on veut accueillir, Seigneur, ta vie dans notre vie. On veut accueillir, Seigneur, ton miracle dans notre vie. Et merci parce que tu fais une œuvre maintenant dans la vie de plusieurs ce matin. Je vois qu'il y a encore je crois qu'il y a trois personnes qui n'ont pas levé la main ce matin. Il y a trois hommes qui n'ont pas levé la main, mais qui dans leur cœur disent, oui Jésus, je veux de toi. Et je ne vais pas vous forcer, parce que c'est entre vous et Dieu. Et je ne veux pas que vous vous sentiez piégés. Mais j'aimerais vous dire que il y a quelque chose de plus que Jésus veut vivre avec toi aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose de plus. Tu peux être de ceux qui restent en dehors de l'étable et qui ne vont jamais rencontrer Jésus, ou tu peux être de ceux qui vont au pied de cette étable et qui adorent simplement le Seigneur. Ce matin, le Seigneur t'appelle et il frappe à la porte de ton cœur. Simplement, ouvre-lui ta porte maintenant. Alléluia. Louons le Seigneur, Église. J'avais aussi reçu cette pensée qu'il y a quelqu'un ou quelques-uns qui ont de la peine quand ils rentrent dans la présence du Seigneur. Et je suis parfois de ceux-ci qui ont de la peine à réaliser qui ils viennent adorer, qui ils viennent célébrer. Et ce chant disait, pardonne-moi Seigneur pour les fois où j'oublie qui tu es. Et je crois que le Seigneur il veut nous dire ce matin, mais approchez-vous de moi en ayant conscience de ma sainteté, de ma royauté, de ma gloire. Choisissez intentionnellement quand vous approchez de moi, à commencer par maintenant, de focaliser vos pensées sur ma sainteté, sur ma gloire. Je suis celui qui règne. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Adorez-moi en vous. En prenant conscience de qui je suis. Vous ne pouvez rien me donner de plus. Vous ne pouvez rien m'apporter de plus
que votre vie, que votre adoration, que votre louange, parce que c'est moi qui ai déjà tout payé et tout porté. Continuons dans cette adoration. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque seul ne suffit pas. Je veux tout. Tu es, Seigneur. On veut proclamer ta magnificence, Seigneur. On veut proclamer que tu es saint. On veut que ton règne puisse venir dans nos vies, Seigneur. Venir sur la terre, venir dans l'église, venir dans nos familles, dans nos vies, dans nos villes, dans notre pays, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, Jésus. Et nous voulons le proclamer, Seigneur. Nos chants, à travers les paroles que nous allons chanter. Jésus, Jésus, oh, nous tenons, nous tenons juste aux confins du lieu très saint. Pour t'implorer de transformer les vies brisées, nous tenons, nous tenons jusqu'aux confins du lieu très saint. Pour t'implorer de transformer les vies brisées, causons de
nom.
déversé dans nos cœurs. Oh, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus. Que ton règne vienne. Jésus. Que ta gloire. Que ta gloire descende. Lève ta voix, Église. Lève ta voix, que ton règne. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende encore. Proclame que son règne vienne dans ta vie. Que ton beaucoup de comment, beaucoup de pourquoi, oui, de questions. Je reçois ça très fort. L'Esprit de Dieu me titille vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête. Mais Dieu, il nous dit ce matin, celui qui se confie dans l'Éternel ne sera jamais confus. Ne sera jamais confus. Faites-moi confiance. La foi ne peut pas s'expliquer, elle se vit. Personnellement.
Alléluia. Et Seigneur, à toi soit le règne, à toi soit la puissance, à toi soit toute la gloire, à toi soit l'honneur, la louange, la reconnaissance. Seigneur, nous reconnaissons que tu es ce Dieu majestueux, ce Dieu roi des rois, ce Dieu Seigneur des seigneurs. Et encore une fois, nous voulons le dire, Jésus, sois celui qui règne dans nos vies. Nous voulons placer notre ego, notre identité, tout ce que nous sommes sous ton autorité. Tu es Yeshua, le Dieu qui règne, celui qui vient avec gloire et avec puissance. Merci parce qu'on ne peut que se réjouir de ce jour de ton retour, de ce jour merveilleux, glorieux, où tu viendras régner dans ce monde. Et en attendant, on est tellement heureux et reconnaissant que tu règnes dans nos vies. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours un peu de la peine à arrêter quand on est comme ça dans la louange, l'adoration. On est bien dans la présence de notre Dieu, n'est-ce pas? Alors, tant qu'on est dans cet esprit de louange, d'adoration et de reconnaissance, j'aimerais demander simplement à l'équipe d'accueil qu'ils puissent faire passer les arrosoirs et puis que vous puissiez mettre dans l'arrosoir toute votre louange, votre adoration, votre reconnaissance, selon ce que le Saint-Esprit met sur votre cœur. Pendant ce temps, eh bien, j'ai quelques annonces à faire. Pour commencer, j'aimerais vous demander de réserver une date, enfin 5 dates pour être précis, à savoir la semaine du 8 au 12 janvier. Semaine du 8 au 12 janvier, on va faire notre semaine de jeûne et prière. C'est une semaine où on veut vraiment commencer l'année en la plaçant sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Commencer l'année en nous soumettant à sa présence, à sa puissance, à sa volonté, à sa grâce, en nous soumettant à sa bénédiction. On veut appeler sur nos vies, sur les vies de tous ceux qu'on connaît, sur la vie de cette Église, on veut appeler la faveur de Dieu. Et on veut vraiment prendre cette semaine pour jeûner et prier. Alors, on donnera plus de détails plus tard, mais réservez déjà les dates. On se verra tous les soirs de 19h30 à 21h. Que ça ne finit pas trop tard, on a le temps d'aller dormir tranquille, vu que c'est tous les soirs. Mais on se retrouve tous les soirs du 8 au 12 à 19h30. Oups. Dimanche prochain, on fait notre célébration de Noël. Alors, c'est une célébration où il y aura les kids, il y aura les youths, il y aura un impute de pasteur Christophe. Et on se réjouit vraiment de cette célébration. J'aimerais juste dire pour tous ceux qui servaient, qui avaient reçu des horaires spéciaux, n'oubliez pas de vous adapter à cet horaire spécial, autant la technique que les parents des kids, les youths, venez à l'heure selon les horaires que vous avez reçus, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup à répéter encore le matin. Donc, ça veut dire tout le monde à 5 heures, en gros, si j'ai bien enregistré, mais si je me trompe, vous vous adaptez. Demain matin, on se retrouve à 6h00, tapante ici, pour notre fameuse veille d'adoration. C'est des moments tellement bons, tellement puissants, tellement glorieux. Et c'est vraiment bon de commencer la semaine en se plaçant devant le Seigneur. Alors, je vous invite, vous tous, demain matin, 6h. Et puis, pour ceux qui ont commandé, acheté, payé des oranges, vous avez vu en entrant qu'elles sont là. Donc, n'oubliez pas de les prendre. Elles ne se conservent pas très bien dans la chaleur ici. Donc, prenez-les aujourd'hui. On veut en voir le moins possible qui reste en fin de célébration. En tout cas, tous ceux qui sont là, n'oubliez pas de partir avec orange, miel, tout ce que vous avez commandé, hein, pas de souci. Voilà, j'ai fini pour les offrandes, pour les annonces, excusez-moi. Et j'aimerais juste maintenant accueillir notre apôtre Werner pour qu'il puisse nous apporter le message de la part du Seigneur. Juste encore prier pour Werner. Ouais, merci. On accueille avec honneur notre apôtre. Et au Seigneur, on te remercie pour cet apôtre qui est là. Merci pour tout ce que tu as mis sur son cœur. On croit que tu as mis quelque chose de spécial aujourd'hui. Et on veut vraiment le bénir, lui dire encore une fois qu'il est le bienvenu, qu'il est comme à la maison, il est dans la famille, qu'il a l'autorité et la liberté de dire ce qu'il a sur son cœur, ce qu'il a reçu de toi. Merci de le bénir, lui, de bénir Mado, de bénir leurs circonstances de vie, de bénir leur santé, de bénir leurs finances, de bénir leur ministère.
On te demande vraiment ta grâce et ta faveur sur eux, au nom tout puissant de Jésus. Amen. Merci mon cher. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Oups, ça va très bien. Voilà, c'est un honneur et un plaisir de m'adresser à vous. Est-ce que vous êtes prêts pour aller un pas plus loin avec le Seigneur? On a dit qu'on veut tout recommencer. Tout recommencer, je ne suis pas sûr que c'est bien, parce que je ne sais pas si vous avez déjà joué au jeu de loi, hein, où on lance les dés, puis tout à coup vous tombez sur le tournesol, ça c'est bien parce que vous montez de 3 rangs, mais tout à coup vous arrivez sur le toboggan et vous recommencez à la case départ. Il y a trop de chrétiens qui recommencent à zéro. Il ne faut pas recommencer à zéro, hein. Il faut poursuivre, comme dans la vie, hein. Fin août, nous sommes allés faire un coin 4000 avec mon épouse, on est monté au Breithorn. Alors moi, à partir de 4000 mètres, j'ai mon souffle qui vient court. Alors je fais 30 pas et je m'arrête 30 secondes et je repars. Puis on se dit, mais on n'avance plus. Puis il y a d'autres gens qui sont traînés, qui résistent mieux à l'altitude, qui vous dépassent avec une autre cordée. Et vous dites, mais est-ce qu'on va arriver en haut? J'ai dit, bien sûr qu'on va arriver en haut. Il faut juste faire 30 pas, s'arrêter 30 secondes et refaire 30 pas. Et puis je crois que dans la vie, c'est ainsi, il faut aller vers des nouvelles étapes. Et ce matin, j'aimerais qu'on aille ensemble vers une nouvelle étape. Est-ce que quelqu'un se rappelle ce que j'ai prêché la dernière fois? Je comprends que vous vous rappelez, il y a beaucoup d'autres messages entre deux. Mais je vais juste vous resituer, parce que j'aimerais repartir de là et j'aimerais aller vers une étape suivante. La dernière fois, j'ai parlé de cette parabole de Jésus dans Luc 18, verset 1 à 8, pour y relire ça chez vous, je ne vais pas vous relire. Mais dans cette parabole, il est parlé où Jésus encourage à prier toujours. J'aimerais vous encourager à prier toujours. Vous voulez aller plus haut? Continuez à chercher Dieu. Des fois, on se dit, oui, mais c'est répétitif. Puis finalement, Seigneur, on lui dit souvent la même chose. C'est-à-dire, continuez de le faire. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez prendre de l'altitude et vous allez avoir des percées. Donc, dans cette parabole, il y a un juge unique. Il ne craint pas Dieu, il n'aime pas les humains. C'est bizarre comme juge, mais enfin, c'est l'histoire de cette parabole. Il y a une veuve qui probablement était pourchassée par des gens qui voulaient ses enfants ou son argent. Donc, elle avait besoin du juge, cette veuve, pour que le juge lui fasse justice, pour qu'elle puisse se défendre contre la partie adverse. Parce que dans cette parabole, il y a la partie adverse. Il n'y a pas de nom, on ne sait pas qui c'est, mais il y a une partie adverse. Et puis, finalement, le juge lui fait justice. Et elle arrive à se battre contre la partie adverse. Et Jésus va dire, est-ce que Dieu ne vous fera-t-il pas promptement justice? Et Jésus répond en disant, je vous ferai promptement justice. Et nous savons qu'à la croix, Dieu nous a donné un titre comme quoi nous sommes justifiés. Nous avons autorité sur la partie adverse. Et nous sommes tous confrontés à des parties adverses. Ça peut être des esprits méchants qui veulent nous entraver la route, nous faire échouer. Ça peut être des maladies, ça peut être toutes sortes de circonstances qui, des fois, sont déguisées. Et parfois, on aurait le danger de croire, finalement, que notre combat, il est contre des êtres humains. Mais l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, vous avez à lutter contre des puissances spirituelles. Et aujourd'hui, j'aimerais parler du dilemme que nous avons entre la foi dans ce que la parole de Dieu déclare, et puis le monde de nos sens, nos 5 sens. Ces 5 sens extraordinaires que Dieu nous a donnés pour vivre notre vie. Heureusement qu'on a des yeux, qu'on a de l'ouïe, qu'on a du goût, de l'odorat, du toucher, etc. Tout ça nous aide à vivre ici-bas, et c'est OK. Mais on voit que cela s'oppose parfois à une foi où on croit simplement ce que la parole de Dieu dit. Et ça, c'est tout un combat. Ce n'est pas un combat juste contre l'ennemi. C'est un combat contre notre propre nature qui veut ramener Dieu dans le domaine de nos sens. On a tous affaire à ça. Je me suis souvent interrogé. Il y a 25 ans, j'étais dans le nord de l'Inde. J'étais probablement l'un des premiers pasteurs à être là-bas. Nous avons notre église à acheter le premier terrain pour la mission en part. J'ai posé la première pierre et j'ai vécu des choses qui m'ont dépassé à ce moment-là.
Parce qu'en fait, je suis allé plutôt un petit peu à reculons là-bas. Je ne voulais pas vraiment y aller. J'y suis allé plus parce que les cinq jeunes qui voulaient faire de l'évangélisation m'ont invité. Viens avec nous, on aimerait avoir un pasteur avec nous. J'ai dit, je vais soumettre ça au conseil. Le conseil m'a dit, Werner, tu viens de rentrer d'Afrique, tu ne vas pas repartir en Inde. Et les anciens m'ont dit, Werner, nous pensons que c'est juste part avec ces jeunes. Va faire du ministère là-bas, tu seras payé, ton voyage sera payé. Va servir Dieu avec ces jeunes. Et je ne suis pas très content, mais finalement, je suis allé. Et là-bas, je vais faire des expériences qui vont me surprendre. Parce que j'ai le sentiment que je suis très vide. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de l'onction de Dieu. Je ne suis pas vraiment avec ces jeunes. Les quelques missionnaires du Sud qui étaient montés dans le Nord, ils parlaient l'hindi, etc. Moi, je parle juste le français. Donc, j'ai dit, bon, Seigneur, je fais quoi ici? Et j'avais parlementé avec Dieu dans ma chambre. J'ai déjà raconté ça. Mais je dis, Seigneur, je fais quoi ici? Le Seigneur m'a dit, tu m'avais dit quoi dans ta chambre? Des fois, on fait des grandes déclarations dans nos chambres, hein, quand on est tout seul avec le Seigneur. Hein. Quand on est sur le terrain, des fois, on se dit, oups, Seigneur, je pensais... Alors, je dis, Seigneur, c'est très différent ici que dans ma chambre. Dans ma chambre, ça semble très facile. Ici, ça semble très compliqué. Et avec le petit peu de courage que j'avais, je ne suis même pas sûr que c'était vraiment une parole de connaissance que j'ai eue, mais j'avais une pensée qui est montée en moi. Des fois, quand on n'a pas de parole de connaissance, il faut utiliser la pensée, pour autant qu'elle soit évidemment correcte. Hein. Mais... Et puis, je prends le micro sur cette place publique. J'ai besoin d'un interprète en anglais, d'un deuxième interprète en hindi. Il n'y a aucun chrétien, ce sont tous des hindous. Et je dis, je vais prier pour les gens qui ont des problèmes avec les yeux et avec l'ouïe. Et j'ai deux personnes qui sont miraculeusement guéries, l'une de la vue, qui était aveugle. Ils sont allés chercher lui. Personne, tout le monde est parti, personne n'a demandé la prière. Ils sont allés me chercher le vieux du village, qui était aveugle. Ils sont arrivés avec un homme à sa gauche, un homme à sa droite, qui le soutenait parce qu'il était vieux, et en plus, il était aveugle. Puis, mais on était déjà dans le bus pour partir. Ils m'ont dit, il faut venir prier pour cet homme-là. Alors, je suis sorti, j'ai dit, Seigneur, même si toi, tu étais là, tu ne pourrais pas le guérir, lui. Donc, ça veut dire que ma foi était très basse, mais il y avait quand même un tout petit peu. Hein. Alors, quand elle est basse, il faut utiliser le peu que vous avez. Alors, habituellement, quand la foi est courte, les prières deviennent longues. Quand la foi est forte, les prières deviennent courtes. Là, la foi était courte, mais j'ai fait une prière courte. J'ai dit, bon, il faut que je me sorte d'affaire et je veux le faire vite. Donc, j'ai posé ma main sur cet homme. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus et je suis parti en courant. Ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut faire, ce n'est pas une bonne manière. Mais bon, c'est comme ça que j'ai fait. Et je suis en train de remonter dans le bus, ils me disent, il voit, il voit, il voit. J'arrive à peine à y croire. Je dis, bon, ben, merci Seigneur, je suis monté dans le bus. Ils m'ont dit, il faut revenir une deuxième fois à quelqu'un d'autre qui veut la prière. Et ils m'ont emmené un jeune homme qui était sourd. Ses copains étaient là, ils me disent, il faut prier pour lui, il n'entend pas les oreilles. J'ai dit, bon, j'ai fait la première prière, je vais faire la deuxième, la même chose. Alors, j'ai posé ma main sur lui, j'ai dit, sois guéri au nom de Jésus, et je suis parti en courant. Ouais, courant, c'est peut-être un petit peu, mais je suis retiré très rapidement. Et là, les jeunes se mettent à crier, mais maintenant, il entend, mais maintenant, il entend. Et les jeunes, ils commencent à me regarder, les cinq jeunes qui sont avec moi, ils me disent, Werner, on ne savait pas que tu savais faire des trucs comme ça. J'ai dit, moi non plus. Et ce que j'ai vécu dans la suite, et j'y repense souvent, et je crois que j'ai trouvé une clé. J'ai vécu quelque chose de surnaturel pendant les 2 jours où j'étais en Inde en 1998. J'ai vu des dizaines et des dizaines de personnes guéries instantanément. Vous savez, vous êtes en dehors de votre contexte, donc le côté culturel, vous laissez un peu côté, vous n'avez pas besoin de vous montrer le côté très poli, etc. Donc je disais aux gens, au moment où je vais te toucher, tu vas être guéri. Et je les touchais, et ils étaient guéris. Et il y avait un dilemme à l'intérieur de moi, parce que mon raisonnement humain disait « mais ce n'est pas possible ». La foi disait « c'est possible », mais mon raisonnement humain, mes sens me disaient « mais ce n'est pas possible ». Alors je disais à la personne « prouve-moi que tu es guéri ». Il disait « je ne pouvais pas faire ça, mais maintenant je peux le faire, c'est parti, la douleur est partie ». Et j'ai vécu ça des dizaines de fois pendant ces 10 jours. Des gens sont venus partout, et je crois que ça a déclenché quelque chose. Et je reviens en Europe, et je dis « Seigneur, pourquoi là-bas c'était si facile ?» Puis ici, tout devient de nouveau tellement compliqué. On prie pour les gens, on a l'impression qu'on n'a pas... Puis Dieu m'a dit, je t'ai donné un don de foi. Oui, mais j'ai dit, pourquoi je l'avais là-bas et puis je ne l'ai plus ici? C'est parce qu'ici, je suis redevenu
très gentil puis poli. Donc, je ne vais pas choquer les gens. Donc, je fais des bonnes prières. Je dis, on va prier Jésus pour que Jésus te guérisse. Et puis, on s'arrête. Puis, les gens, ils analysent avec leur sens, ce qui est normal. Puis, ils disent, ben non, je ne suis pas guéri. Donc, il y a quelque chose qui doit changer. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une jeune fille. J'ai lu cette histoire cette semaine. Elle est atteinte de la tuberculose. Elle est en fin de vie, mais elle est croyante. Et elle sait qu'elle va mourir parce que les médecins lui ont dit « tu vas mourir ». Donc elle est très faible dans son lit. Et elle relit 1 Pierre 2, 24, la première partie du verset 24. Je ne sais pas si on me l'affiche, sinon je le prends sur mon écran. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Donc elle lit cela, elle commence à remercier Dieu. Dieu, je te remercie parce que tu m'as sauvé. Je sais que j'ai une destinée en toi, je sais que ma vie, je vais venir te rejoindre bientôt. Et elle loue son Dieu. Elle reprend sa Bible, elle lit le même verset une seconde fois. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libre du péché, nous vivions pour la justice. Elle est ébahie, elle dit, Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu as fait. Mais elle garde sa Bible sous les yeux, et elle lit la dernière partie. Non, 24. Ah oui, c'est bien la même, ok. Donc après le point, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Elle dit, Seigneur, je crois la première partie de ce verset et je sais que cette première partie du verset, elle est vraie. Donc, je crois que la deuxième partie du verset, elle est vraie aussi. Donc, elle appelle sa maman. Elle dit, maman! Et la maman arrive, elle dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, maman, je suis guéri. Sa mère lui dit, mais tu sais, tu es bien consciente de ce que les médecins ont dit? Tu es gravement malade? Elle dit, donne-moi mes habits, je veux me lever parce que la Bible dit que je suis guéri. Amen. Tous ses sens disaient l'inverse. Et sa mère, toute tremblante, parce qu'elle disait, mais elle ne devrait pas se lever, a essayé de la raisonner. Mais elle dit, donne-moi mes habits. Et la mère lui donne ses habits et elle s'habille. Elle est toujours malade. Quand elle a fini de s'habiller, elle sent qu'il y a une amélioration. Et il est dit qu'en l'espace de 3 semaines, il n'y a plus de traces de tuberculose. Elle a retrouvé son poids initial en l'espace de 3 semaines. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, ok, on peut savoir ça par cœur, mais ça ne change encore pas grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'élément vers lequel on doit avancer pour confronter la partie adverse? Et nous sommes dans cette guerre entre justement le domaine de nos sens et puis cette foi en la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'autres textes qui disent la même chose que de 1 Pierre 2, 24. Hein. Quand on va déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, au chapitre 53, il dit « Il a porté nos douleurs, il s'est chargé de nos maladies. » Et trop souvent, nous laissons cette partie adverse nous contrôler, nous dominer. Puis on dit « On prie ». Donc, habituellement, je me rappelle d'un frère. Quels sont ceux parmi vous qui se rappellent d'Ismaël Sadok? Quelques-uns doivent se rappeler de lui. C'est un prophète qu'on a bien connu. J'ai été avec lui en Inde. Il est venu de nombreuses fois chez nous. Et cet homme, un jour, est tombé gravement malade. Il a dit, j'étais à l'article de la mort. Je n'en pouvais plus. Je n'avais plus aucune force, plus d'énergie. Et les gens ont prié pour lui, l'ont appelé au téléphone, ont prié pour lui. Il a dit toujours la même chose, rien n'a bougé. Et un matin, il a dit, Seigneur, je ne vais pas mourir comme ça. Donc il s'est habillé. Il habitait, nous sommes allés en vacances chez lui à l'époque, il habitait dans une maison assez élevée. Et il y avait des grandes rampes d'escalier. Il a dit, j'ai commencé à descendre les escaliers en me cramponnant à la barre de l'escalier. Pas à peu pas, avec beaucoup de difficultés. Et il dit, quand je suis arrivé au bas de l'escalier, la maladie m'a quitté en un instant. Donc, nous devons apprendre quelque chose.
c'est que la foi, elle doit entraîner une action. Et trop souvent, on prie, on demande à Dieu, puis on stade, puis on se dit non, ben non, non, ben non, je ne suis pas guéri. Donc on attend la fois suivante pour qu'on prie pour nous. Mais je crois que si on arrive à combattre cette... où nos sens, à quelque part, dominent ce que la parole de Dieu dit. Alors, dans la théologie moderne, on a trouvé des réponses à ce problème-là. On appelle ça, ça fait partie des déjà pas encore. Je comprends, hein, parce qu'on cherche, puis je ne les critique pas, mais je n'adhère pas au déjà pas encore. Je veux croire, pour vous, mes frères et sœurs, pour cette communauté, si le gospel centre de la côte, une percée par rapport au surnaturel. Nous ne pouvons pas, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas. Bien sûr que je crois dans votre foi, dans votre salut, vous avez été sauvés pour tous ceux et celles qui ont accepté Christ. Et ceux qui ne l'auraient pas accepté comme sauveur et seigneur de vie, accueillez-le comme sauveur et seigneur de votre vie. Mais Dieu n'est pas seulement le Dieu qui veut nous sauver. Le Dieu aimerait que nous allions et que nous manifestions la gloire de Dieu. Oui, mais moi, je n'ai pas le don de guérison. Mais tu sais prier. Tu sais parler. Parle de la part de Dieu. Deviens un peu plus audacieux. Mais on n'aime pas prendre des risques. Moi, je suis quelqu'un dans le naturel, je suis assez calculateur, assez prudent. Je ne fais pas des trucs extrêmes. Mais je crois que dans la foi, il faut qu'on ose redire. Hier matin, hier après-midi, j'ai prié pour un homme. Il n'est pas croyant, il est hindou, il vient du Sri Lanka avec sa femme, il n'en peut plus, on me dit, on m'a jeté un mauvais sort, je suis tourmenté, je dois repartir au Sri Lanka, aller voir un sorcier qui va me délier, etc. Mais j'ai dit, tu vas t'enfoncer de plus. Il me dit, je suis le jour dans ma cuisine, je ne tiens plus debout tellement j'ai mal sous la plante de mes pieds. Je le connais depuis 5 minutes, je lui ai dit, je vais poser ma main sur toi, tu vas être guéri. Et cette douleur des pieds va partir. Mais... mon raisonnement humain, il dit, mais fais pas des trucs pareils, puis si ça se passe, puis si ça se passe pas, tu fais comment après? C'est ce qu'il faut, merci. Mais il m'a dit, j'ai pas seulement mal sous les pieds, je suis tourmenté, et je sais qu'il y a en moi des choses qui ne devraient pas être là. J'ai dit, mais ça, c'est des esprits méchants. Parce que tu vois les sorciers? Il me dit, oui, je vois les sorciers, parce que chez nous, c'est courant. J'ai dit, mais tu as besoin de venir à Christ. Et habituellement, je ne prie pas trop la délivrance pour les gens qui n'ont pas fait une démarche avec le Seigneur. Mais des fois, vous ne pouvez pas leur faire une théorie comme ça longue, alors qu'ils comprennent. Ils parlaient très, très mal le français, etc. J'ai dit, je vais prier pour toi. J'ai commencé, j'ai donné une cuvette. Il a craché, vomi dans cette cuvette. Ma femme, c'est pas parce qu'elle n'était pas là, donc elle n'a pas suivi l'événement. Et j'ai dit, maintenant, je veux que tu marches. Comment c'est tes pieds? Il me dit, mais c'est incroyable. Ah, mais il me dit, mais ça va beaucoup mieux. J'ai dit, ça ira mieux. Et demain, tu n'auras plus de douleur. Et je veux que tu me donnes des informations à quoi tu en es. Donc, il faut qu'on devienne un petit peu... C'est intéressant quand même. Hein? Jacques 2, 17. J'aime bien l'apprendre dans... Oui, elle est pas mal dans la seconde. Il en va de même de la foi. Si elle n'a point d'œuvre, elle est morte. La foi, dans Parole de vie, il est dit, la foi qui n'engendre pas une action est morte. Alors, il ne s'agit pas de vivre dans le déni des réalités, puis de dire je suis guéri, tout va bien, alors que je ne vais pas, mais de commencer à dire maintenant je bouge, je prends autorité, et devant le Seigneur, tu peux dire Seigneur, merci parce que tu m'as guéri, même si ta guérison n'est pas complètement réalisée. Commence à faire ce que Dieu dit. Et on voit quand Jésus prie pour les gens, ce paralytique qu'on lui a amené, ils ont ouvert le toit, etc. Enfin, il est paralysé. Ils ont ouvert le toit pour l'amener vers Jésus, puis Jésus dit lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'a même pas dit « Sois guéri ». Il lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. Attends, Jésus, je suis paralytique, je ne peux pas. » Nous croyons dans tant de choses dans notre société. Si le facteur vous amène un petit papier comme quoi vous avez un colis à retirer à la poste, vous n'avez pas vu le colis, mais vous allez le chercher. Quand vous recevez la banque comme quoi il y a un chèque qui a été versé sur votre compte, vous n'avez pas vu l'argent, mais vous savez qu'il y a de l'argent sur vos comptes parce que vous croyez ce que le banquier vous dit. Quand le médecin vous dit qu'il faut prendre 3 pilules, vous savez encore pas quels sont les effets que cette pilule va faire, mais vous croyez ce que le médecin vous dit. Donc, croyons ce que la parole de Dieu nous dit.
Et nous devons devenir plus vigoureux dans cela, puis dire, Seigneur, je veux prendre possession de ce qui m'appartient. Il s'est chargé de mes douleurs, il s'est chargé de mes maladies. Alors, j'ai marqué la chose suivante. Auxquels de ces quatre groupes appartenons-nous? Alors, vous pouvez répondre pour vous-même, je ne vous demande pas de me répondre à moi. Hein. Ceux qui disent, j'aurai la bénédiction un de ces jours. Ceux qui ruminent, c'est merveilleux, je devrais l'avoir, mais je n'arrive pas à l'obtenir, je ne comprends pas. Les troisièmes, ils disent, ils sont des réalistes, ils disent, quand je le verrai ou que je le ressentirai, je saurai que je l'ai. Puis le quatrième, ce sont ceux qui ont la foi positive, qui disent, je l'ai maintenant, il est écrit dans la parole de Dieu, donc c'est à moi et je le crois. Donc, il y a un effort pour ceux qui prient et un effort aussi pour celui qui reçoit la prière, de dire, si je vais à la prière, je vais avec foi. Très souvent, on va à la prière en disant, ben, ça ne peut pas faire de mal. Hein? Donc, fais-moi une petite prière, j'ai besoin d'une petite prière parce que je suis malade. Mais on ne s'attend pas à grand-chose. Et si tu ne t'attends pas à grand-chose, tu sais ce que tu vas recevoir? Eh bien, pas grand-chose. Mais si tu t'avances avec foi, ça va être différent. Alors, je ne suis pas en train de vous accabler, etc. Nous voulons continuer à monter. Et ça ne va pas vous arriver comme ça, par hasard, tout à coup, un matin, vous levez en disant, maintenant, j'ai une foi en train de déplacer les montagnes. Mais ça va arriver parce qu'on continue à chercher Dieu et à progresser dans ce que nous avons, nous devons faire. Vous savez, quand je suis tout seul, je fais ça aussi à l'église, mais quand je suis tout seul, très souvent, quand je prie, je lève mes mains vers Dieu et je lève ma tête. Je ne prie pas avec ma tête. Oui, des fois, je me mets à genoux. Je fais ça chaque jour, normalement, parfois plusieurs fois. Mais au moins une fois par jour, j'essaie de m'incliner devant mon Dieu. Mais je lève mes bras et je prie Dieu. Parce que quand on regarde la pointe de nos chaussures, on voit nos problèmes, on voit toutes nos difficultés. Mais quand on lève nos yeux vers les montagnes, alors vous savez que le secours ne vient pas de la montagne, il vient de l'Éternel. Mais c'est de là en haut que ça vient. Et de dire, Seigneur, je m'attends à toi. Je mets ma confiance en toi. Mais c'est tout un combat, hein, parce qu'on est confronté à nos sens, et puis pour lesquels on est plein de reconnaissance, parce que heureusement qu'on a nos cinq sens qui fonctionnent. Mais de dire, la foi, c'est vraiment c'est de croire ce que la parole de la foi biblique, c'est de croire ce que la parole, ce que Dieu déclare est vrai. Et nous devons prier et prendre autorité pour que certaines choses se dégagent de nos vies. Tu n'as pas besoin de projeter, je vais prendre dans parole de vie. J'aimerais juste, et ce sera la dernière chose que je vais prendre, mais ensuite on va prier. Je veux prendre cette histoire qui serait peut-être un message en lui-même, mais c'était pourtant dans ma Bible ce matin. Non, je blague. J'y arrive toujours. C'est l'histoire de Bartimée. Alors, je vais juste la lire. Je vais la lire dans Parole de vie. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle, appelé Bartimée, fils de Timée, s'est assis au bord du chemin. C'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent, « Tais-toi !» Mais l'aveugle crie plus fort encore, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête, « Appelez-le !» Les gens appellent l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jette son manteau. Il se lève d'un bond et va vers Jésus. Jésus lui demande, « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» L'aveugle dit, « Maître, fais que je voie comme avant. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'aveugle voit comme avant. Il se met à suivre Jésus sur le chemin. Il est aveugle et il est mendiant. Et quand je relisais ce texte, je me suis dit, est-ce que nous ne sommes pas parfois aussi en train de mendier auprès de Dieu ?
Oh Seigneur, aide-moi un tout petit peu. Seigneur, juste un tout petit peu. Puis une petite bénédiction, Seigneur, par-ci, par-là. Il est aveugle et il mendie. Et je pense que Dieu a besoin d'ouvrir nos yeux sur les réalités spirituelles, sur les promesses du Dieu, créateur du ciel et de la terre. Ces promesses qui sont oui, amine, et nous y adhérons. Chacun d'entre vous, si je vous laisse croire que la Bible elle dit, vous allez dire oui, c'est vrai. Alors sur le plan du salut, on l'a compris, on est sauvé parce qu'on a reconnu le Christ. Mais il y a d'autres domaines, et le domaine du surnaturel. Pour le christianisme du 21e siècle, c'est primordial. S'il n'y a pas une manifestation de la puissance de Dieu avec des gens qui sont délivrés, avec des démons qui sont chassés, des malades qui sont guéris, nous n'aurons pas la percée. Pourquoi ? Parce que la plupart de nos contemporains ne sont pas intéressés à l'Évangile. Et je les comprends en partie. Parce qu'en entendant tout ce qui s'est passé dans l'histoire avec sous l'égide du christianisme, il ne s'agit pas de se culpabiliser et dire quelle horreur on a mal fait, mais la réalité, c'est qu'il y a des choses pas très belles. Puis ce n'est pas toujours que chez les autres. Donc, dire Seigneur, les gens, ils ne sont pas intéressés à l'Évangile. Mais quand quelqu'un est malade, il est prêt à faire le tour de la planète s'il faut pour trouver quelqu'un qui puisse vraiment l'aider. Si tu lui dis à tel endroit, il y a quelqu'un qui peut te guérir et ça va en plus rien te coûter, dire ben, c'est où que ça se passe? Mais on a vu ça dans l'histoire, de nombreuses fois. Je suis en train de relire un vieux livre qui m'a beaucoup inspiré. Il doit se trouver encore. C'est le livre de Theo Osborne, La guérison. Il est parti en Inde comme missionnaire. Et il a fait, je ne sais pas exactement combien il y est allé, combien de temps il est allé. Et il est revenu en disant, constat d'échec. Je n'ai personne conduit au Seigneur. Je n'ai pas vu la puissance de Dieu se manifester une seule fois. Et il retourne aux États-Unis. Et il est découragé. Il dit, plus jamais. Plus jamais. Je veux réussir cela. Mais tout à coup, Dieu le visite. Et Dieu lui fait prendre conscience de cette réalité de la foi dans la parole de Dieu. Il est d'abord impliqué dans une communauté, etc. Mais ensuite, il retourne. Il fait partie de ces grands revivalistes qui ont conduit des millions de seigneurs, des millions de personnes au Seigneur. Il va repartir en Inde. Mais cette fois, il n'y va pas pour faire du prêchi-prêcha. Il dit, je vais manifester la puissance de Dieu. Et les miracles commencent à se produire de façon totalement nouvelle. Parce que sa foi avait pris conscience que ce que Dieu promet, il va aussi l'accomplir. Et j'aimerais qu'à l'image de Bartimée, on dise, Seigneur, on veut sortir d'une forme de prière. Parfois, je dis aux chrétiens, arrêtez de mendier. Vous êtes des fils, vous n'êtes pas des mendiants. Jésus nous a donné un titre de propriété qui nous donne l'autorité pour nous opposer à la partie adverse. Nous devons devenir plus, même quand vous priez pour vous-même, si le diable t'attaque, si ta santé est attaquée, prends autorité et commande. Dis pas à Dieu ce qu'il devrait faire, il sait ce qu'il doit faire. Il a d'ailleurs déjà fait. Récemment, j'ai dit une conférence, ça a choqué beaucoup. Ils m'ont dit, mais tu es un peu audacieux. J'ai dit, arrêtez de prier pour les malades, guérissez-les. Alors je me le dis à moi-même, hein. Je ne fais pas juste la leçon aux autres. Mais je veux retrouver cette puissance et cette manifestation de la puissance de Dieu. Et si nous ne l'avons pas, nous devons prier, jeûner et chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Nous voulons que la gloire lui revienne à lui. Mais je crois que ce que Christ a accompli sur la croix, c'est suffisant pour le salut de l'humanité entière et c'est suffisant pour la guérison de l'humanité entière. Mais Dieu, la monnaie de change, c'est la foi. Et pas une fois qu'il dit « Oui, Seigneur, on te prie. » Alors, on est bon pour dire à Dieu tout ce qu'il devrait faire et comment il devrait le faire. Mais Jésus, enfin, il y a un aveugle. C'est la seule fois que Jésus était si clair. Parce que l'aveugle, il dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Donc, l'aveugle, il sait que Jésus peut, mais il n'est pas sûr qu'il veut. Et Jésus va faire une longue prière. « Je le veux, sois pur. » C'est pas long, mais c'est efficace. J'aime mieux court, efficace que long et inefficace. Donc, je veux travailler à cela et je vous encourage à me suivre dans cette démarche-là. On veut faire partie de ceux qui ont cette foi positive
et qui disent « c'est écrit dans la parole de Dieu, donc je le crois, je le déclare, et je vais prendre autorité sur la partie adverse. » J'aimerais vous dire, frères et sœurs, de la même manière que Jésus a appelé Bartimée, parce que Bartimée gueule, il a passé de la mendicité au cri. Et les gens qui sont là ils disent maintenant, Bartimée, calme-toi, quoi. T'es pas le centre du monde quand même, quoi. Mais Bartimée, il a un besoin. Et il avait sûrement entendu parler de Jésus. Et il passe de la mendicité au cri. Jusqu'au moment où Jésus s'arrête et dit, appelez-le. Et là, il fait quelque chose de particulier. Il jette son manteau. Et moi, je crois que nous avons des manteaux à jeter. Des manteaux d'incrédulité, où le raisonnement humain a pris le contrôle sur tout le reste, où on croit la parole de Dieu, où on prétend la croire, mais on ne la vit pas vraiment. Alors, il ne s'agit pas de s'humilier pendant 25 ans puis rien faire, mais dire « Seigneur, je veux que ça change ». D'ailleurs, c'est intéressant, hein, quand il est parlé de la repentance dans la parole de vie, qui est la traduction, je ne dis pas qu'elle est aussi, je ne parle pas de la question, mais c'est intéressant, la parole de vie, il dit « changer de vie ». C'est aussi une forme de repentance. Ce n'est pas seulement dire pardon, 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 pardon. Seigneur, je veux changer. Est-ce que vous êtes prêts à jeter ces manteaux de l'intimidation? Parce que le diable va te faire peur. Il va te dire, oui, mais si tu commences à faire ça, tu prends des risques. Puis si ça ne marche pas, le diable, il ne va pas juste te dérouler le tapis rouge. Hein. Il va te dire, non, mais tu vas te rendre compte, tu vas ramasser des ronces. Puis peut-être des coups de bâton, puis les gens ne vont plus t'aimer. Hein, c'est embêtant. Jésus t'appelle. Elle dit, amenez-le-moi. Et il jette son manteau. Et ce matin, moi, j'aimerais qu'on puisse jeter nos manteaux de raisonnement humain, d'incrédulité, de mendicité, de la peur. On a la trouille, des fois, franchement. On se dit, mais est-ce que je peux prendre le risque? Est-ce que je prends moins de risques si je prie, dis, écoute, je vais prier pour toi, puis comme ça, si ça ne se passe pas, ben Dieu n'a pas fait son travail, c'est son problème, quoi. Mais on raisonne souvent comme ça. Puis on ne prend pas trop de risques en faisant comme ça. On dit, ben, j'ai quand même été gentil avec la personne, j'ai prié pour elle, j'ai dit à Dieu qu'est-ce qu'il devait faire. À présent, on fait ton boulot. Mais le problème, c'est qu'il l'a déjà fait, le boulot. Et ce que Dieu l'attend, c'est que j'ai la foi avec la personne qui veut recevoir et la foi pour que les choses se produisent. Comprenez, Dieu n'a pas besoin de vous guérir. Dieu vous a déjà guéri de la même manière qu'il a déjà pardonné les péchés de l'humanité entière. C'est intéressant ce qu'il a dit. Hein? Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Quand Jésus a fait ça, il n'y avait aucun croyant sur la terre. Il n'y a personne qui était sauvé à ce moment-là. Donc Christ l'a fait pour l'humanité entière. Donc les gens, la seule chose qu'ils ont besoin de faire aujourd'hui, c'est de croire et de recevoir ce que Dieu leur propose. Et vous savez, beaucoup de nos contemporains, contrairement à ce que nous croyons, sont pas loin du salut. Pour ceux qui m'ont vu, j'ai passé dans une émission de la TSR d'un temps présent sur l'exorcisme. Et j'ai toute une panoplie de gens qui ont commencé à défiler chez moi, des gens pas chrétiens. Il m'a dit, t'as vu la télévision, est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous? Alors je prends tout chaque semaine quelques rendez-vous. La première personne que j'accueille est une femme. Elle vient avec son fils. Alors elle sort son portable, me dit, je vais vous faire écouter. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'elle va me faire écouter? Alors elle me fait écouter. Il me dit, ça, c'est ce que le voyant m'a dit la semaine dernière. Alors j'écoute un moment, je ne me fâche pas avec elle, elle a son histoire. Et puis elle commence à me parler, puis elle me dit, je suis croyante, etc. J'ai dit, vous êtes croyante? Vous croyez en l'existence de Dieu, mais vous n'avez pas accueilli la vie de Dieu en vous. Il dit, ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire que vous, si vous ne reconnaissez pas le Christ d'une façon personnelle, la vie de Dieu ne va pas venir en vous. Vous avez besoin que la vie de Dieu vienne en vous. Il me dit, mais moi, c'est ça que je veux. Mais c'est ça que j'ai besoin. Les gens ont besoin. Souvent, ils ne sont pas loin. Il ne faut pas leur dire, oh, tu n'es pas croyant, tu es perdu. Arrêtons d'envoyer les gens en enfer. Dieu n'est pas venu pour que les gens en enfer. Dieu est venu au travers de son Fils pour que les gens rentrent dans le royaume de Dieu. Ces manteaux de la maladie, de l'infirmité, du tourment, du trouble, on veut les jeter ce matin.
On veut rentrer, alors qu'on est à la fin de cette année 2023, on veut rentrer dans quelque chose de nouveau. Et j'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs, prenez un peu plus de temps pour les prier. Vous dites, oui, mais quand je prie, je dis toujours les mêmes choses à Dieu. Répétez pas mille fois la même chose, Dieu n'est pas sourd. C'est intéressant que là où Jésus enseigne la prière de notre Père, il dit, n'usez pas de vaines redites. Donc, commencez à proclamer ce que vous allez être, ce que vous allez devenir. Commencez à prier dans l'esprit. Prenez du temps pour prier dans l'esprit. Quand on prie en langue pendant 30 secondes, on dit, Seigneur, voilà, j'ai l'impression aussi que là, je répète toujours la même chose. Mais prie, et tout à coup, tu t'élèves, et tu tournes tes yeux vers celui qui a fait les promesses, et tu prends position, et tu prends possession de ce que Dieu a préparé pour toi. Qu'est-ce que j'ai marqué comme manteau? La crainte, le doute, viens chérie. Le rationalisme. On est très rationnel, hein? Moi je suis assez rationnel. Les manteaux religieux. Le manteau du légalisme, de l'intimidation. Quel est le manteau que tu aimerais déposer ce matin? J'ai un petit témoignage que j'ai vécu il y a 15 jours ou 3 semaines, alors que le matin, mon mari, ensemble, on s'asseye et on lit ce livre. Ce livre qui est tellement entier, des milliers de personnes qui... Et ça prend nos cœurs, ça nous saisit. Et je parlais avec mon chéri du prix à payer pour rentrer là-dedans. Et à l'instant même où j'ai pensé à ça, il est venu en moi, quand je méditais sur ce prix à payer, il est venu en moi comme un blocage. Et je pense que plusieurs en portent ça. Alors mon chéri ne l'a pas nommé aujourd'hui. Oui, il y a les peurs et tout ça, mais il y a autre chose. C'est les plaisirs de la vie. Et comme instantanément c'est venu en moi, mais tu ne vas plus pouvoir avoir, parce que tes pensées se tournent entièrement vers Dieu, pour moi c'était ça, et ça m'a saisi, ça m'a comme bloqué. Je me suis dit, mais ça, tu ne pourras plus le vivre comme ça. Moi, vous savez, moi je suis très, très, très terre à terre, bien vivante, j'aime les choses de la vie, je peux m'enthousiasmer pour des petites choses, mes pensées ne sont pas. Et là, j'ai réalisé tout d'un coup que si ma vie était, oh, ce n'est pas légaliste, mais j'essaie de vous faire comprendre quelque chose. Si mes pensées se tournent vers Dieu constamment, l'ennemi vient et te dit, tu vas perdre tout ça. Tu vas perdre les petits plaisirs. Ce n'est pas de la peur. C'est juste qu'on a peur de ne... Ouais, alors on craint de ne plus avoir les choses qui nous animent. Et ce matin, j'ai réfléchi à ça et je me disais, mais au fait, c'est un mensonge. Parce que quand on a dans le Seigneur, on sait qu'on a tout. Mais vous savez à quoi je pense. On a tout, mais on aime tellement les petites choses. Je vous donne un petit exemple, parce que je suis très terre à terre. Mon mari et moi, on vient d'acheter une caravane. Et moi, je m'enthousiasme pour cette caravane. Mais trop, voyez, trop, ça occupe mon esprit. J'aimerais ceci, j'aimerais cela. Et puis après, j'arrive dans la présence du Seigneur. Je dis, Seigneur, mais ouais, j'ai beaucoup pensé à la marmite, au machin comme ça, au truc. Mais vous comprenez mon langage parce que vous me connaissez. Mais c'est là que j'ai réalisé les manteaux. Ces manteaux où on se dit, mais si je me donne complètement à Dieu, je ne pourrais plus vivre ça. Et l'ennemi vient avec toutes sortes de mensonges comme ça. Puis te dire, mais tu sais, le prix à payer, c'est un prix total. Puis c'est presque du religieux aussi. Parce que Jésus, il veut nous laisser dans la liberté. Mais il veut équilibrer les choses en nous. Il ne veut pas nous les voler. Il veut juste que nos pensées, et quand on a tout donné à lui, on est... Alors, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que quand on... Ben, je parle aux jeunes aussi, hein. Quand on se tourne vraiment vers le Seigneur, il y a des tas de choses qu'on n'a plus besoin parce qu'on est satisfait. Hein? Toutes ces petites choses qui nous animent. Alors, vous comprenez, comme je ne fonctionne pas comme lui. Hein? Alors, ça, c'est sûr. Mais c'est un encouragement que j'aimerais vous laisser aussi, c'est qu'abandonnons ces manteaux où on croit qu'on ne pourra plus vivre des choses drôles parce qu'il y a un prix à payer. Oui, il y a un prix à payer, mais Dieu nous donne après des joies, des plaisirs, il nous donne toutes sortes de choses en plus. Amen. Merci. Tu peux rester avec moi si tu veux. Comment ça va faire? Qui c'est qui veut venir déposer ou qui veut se lever et puis dire, je veux me dépouiller de ce manteau? Je ne vous oblige pas à vous lever, j'aimerais aussi que
Quels sont ceux qui veulent être libérés? Moi, je me bagarre contre ça. Et je sais que je vais avoir la victoire, mais je veux me libérer de l'incrédulité qui nous est tellement commune. C'est les disciples de Jésus avaient les mêmes problèmes. Jésus leur dit, race incrédule. Il n'a pas dit, oh, c'est pas grave. Il leur dit, race incrédule, jusqu'à quand je vais vous supporter? J'aimerais inviter ceux qui veulent déposer ces différents manteaux que j'ai mentionnés. Je ne vais pas tous les mentionner, mais la peur, l'intimidation, la crainte, les raisonnements humains qui veulent nous dominer, puis dire, je ne veux plus ce manteau-là. J'aimerais vous inviter à vous avancer, ceux qui veulent. Répartissez-vous sur la largeur. Venez bien à l'avant vers la scène. On veut prier ensemble. Après quoi, je vais prier pour ceux qui sont malades. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, je me joins à chacun de mes frères et sœurs. On dépose. On jette ces manteaux qui nous maintiennent dans quelque chose de routinier, d'habituel, puis c'est confortable parce qu'on sait où on va, on sait ce qu'on va faire, et puis comment on va faire. On veut se laisser surprendre par toi, Seigneur. Je veux prier que aujourd'hui, ces manteaux tombent de nos épaules. On veut les jeter dans le nom de Jésus. Incrédulité, on ne te veut plus dans nos vies. La peur, la crainte, l'appréhension, au nom de Jésus, ça s'en va. Toutes les intimidations, tous les mensonges du diable qui veulent nous maintenir religieux, juste correct, à la moyenne, Seigneur. On veut sortir de la moyenne. On veut avoir une percée, Seigneur, pour le royaume de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, on veut prendre possession de tout ce que tu as acquis à Golgotha. Là où tu as dit, tout est accompli, Seigneur Jésus. Je veux libérer une onction fraîche sur chacun et chacune d'entre vous dans le nom de Jésus. Sois libéré de ta mendicité. Sois libéré de ton aveuglement, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions voir les réalités du ciel, pour que nous puissions saisir les promesses de ta parole. Dans le nom de Jésus, je prie que la puissance de Dieu vienne, Seigneur, en nous. Nous appelons cette puissance d'en haut, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta compassion. Merci pour ta grâce. Tu n'es pas venu pour nous priver. Tu n'es pas venu, c'est le diable qui veut nous faire croire. Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Je prends autorité sur les esprits religieux, traditionnels, qui nous ont peu à peu ligotés, enfermés. Et puis on est correct dans la société, on est correct dans l'Église. On est croyants, Seigneur. Mais on ne veut pas juste être des croyants. On veut être des pratiquants de la parole de Dieu. On sait le dire parfois à nos frères et sœurs catholiques en disant qu'ils sont croyants, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Nous, nous sommes nés de nouveau, mais nous sommes aussi des croyants non pratiquants dans certains domaines. Et on veut commencer à pratiquer. Et je veux prier, j'aimerais vous inviter, frères et sœurs, à lever vos mains vers Dieu. Je veux appeler sur vous, mes frères et sœurs, une foi fraîche, cette foi qui s'empare de la parole de Dieu, cette foi qui ne conduit pas seulement à croire, mais où tu passes de la foi à l'action. L'action, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans l'action, elle est morte. Commence à agir. Et si le diable ne te lâche pas tout de suite, commence à remercier Dieu pour sa guérison. Commence à remercier Dieu pour sa victoire dans le nom de Jésus. Recevez, bien-aimés. Recevez que l'Esprit de Dieu vienne sur une nouvelle effusion de l'Esprit de Dieu. Que les dons spirituels, le fruit de l'Esprit prennent vie en vous. Que les dons de l'Esprit viennent sur vous dans le nom de Jésus. Je prie pour que vous deveniez audacieux. On veut décharger ce manteau de la peur qui nous empêche d'être audacieux. Qui nous empêche, on dit oui, mais est-ce que je ne dois pas d'abord le conduire au Seigneur avant de prier pour le malade? Non, prie pour le malade. Au nom de Jésus. Et parfois même chasse les démons. Dis oui, mais si je chasse les démons, il va revenir. Si tu chasses les démons et que les gens sont libérés, beaucoup de gens vont se tourner vers Dieu et se convertir. Bien sûr qu'on a des règles, des éthiques, etc. Mais faites ce que l'Esprit de Dieu va vous conduire à faire. Je veux, frères et sœurs, que vous rentriez dans une nouvelle mesure où vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Et si j'échoue, si tu échoues, continue. Réadapte. Cherche la direction de Dieu, mais ne perds pas cette fougue dans le nom de Jésus. Amen. Quels sont ceux qui ont besoin d'une guérison ce matin? OK, quelques-uns. OK. Donc, quels sont ceux qui veulent... Je vais faire différemment. Quels sont ceux qui veulent prier pour les malades?
et qui ont la foi pour prier. Venez ici, me rejoindre. Montez là. Juste ici, quelques-uns. Ceux qui veulent prier pour les malades, venez. OK. C'est pas un club réservé. Ceux qui veulent prier pour les malades, ceux qui ont la foi pour prier pour les malades. Il y en a encore deux? OK. On se donne juste la main. Gloire à Dieu. Seigneur, je prie qu'il soit comme les prémices de quelque chose de nouveau. Et je déclare que vous qui êtes en bas, vous n'êtes pas plus bas que nous parce que vous êtes 30 cm plus bas. Vous allez faire les mêmes choses. Mais aujourd'hui, Dieu va utiliser ces gens-là et je libère sur vous cette audace de la foi. Faites pas des longues prières. Vous avez besoin de dire à Dieu comment il devrait faire et tout ce qu'il devrait faire. Mais posez vos mains avec foi sur ceux qui ont besoin de guérison. La puissance de Dieu va se manifester dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui ont levé la main pour recevoir la prière, levez-vous et vous descendez chez l'une de ces personnes et priez pour elle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez-y. Gloire à Dieu. OK. Gloire à Dieu. À Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On prend autorité sur tous les esprits de maladie, d'infirmité. On déclare que Jésus-Christ a triomphé. Jésus-Christ nous a donné l'autorité sur ce monde opposé à Dieu. Et je chasse tout esprit méchant, tout esprit de tourment, tout esprit de peur, tout esprit d'insécurité, tout esprit d'incrédulité. Je te confronte dans le nom de Jésus. Diable, tu lâches l'emprise. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu dans cette communauté, la puissance de Dieu sur vos vies, mes frères et sœurs, l'onction de Dieu pour prendre du territoire. Cette église va se multiplier, elle va grandir, je le déclare dans le nom de Jésus, que le surnaturel va faire son irruption d'une façon nouvelle. Cherchez Dieu, cherchez pas le miracle, cherchez Dieu, il va se manifester, il va vous revêtir d'une nouvelle mesure de sa grâce, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Merci Werner. Merci Werner. Merci Mado. Je crois qu'il y a Jérôme qui voulait amener un petit témoignage. T'es passé où? Bon, je suis un peu vache, je le prends au dépourvu, mais je crois que c'est important. Bon, alors... Beaucoup savent que j'ai eu une déchirure au tendon à l'épaule gauche il y a plus d'une année. Et puis jusqu'à il y a voilà, 2 minutes, je pouvais lever la main jusque-là. Et puis maintenant, je peux tourner. Voilà. C'est bon. Gloire à Dieu. Merci pour votre foi. Merci Jérôme pour ce témoignage. Merci Seigneur pour ta puissance. On croit vraiment que tu agis. Ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vécu, vu, reçu la guérison qui l'a vu se manifester maintenant et qui veut témoigner? Levez la main. Ouais, Pascal, bienvenue. Alors voilà, disons, moi j'ai mal aux hanches depuis quelques temps. On va dire ça vient, ça repart, hein, comme ça, faut bien dire la vérité. Et ce matin, j'avais vraiment mal à la hanche, la gauche, et j'ai demandé la prière. Et le prieur a prié. Et voilà. Et Dieu a agi.
Amen. Merci Seigneur. Encore un autre témoignage. Viens, Karine, viens. Merci. Alors, en fait, hier soir, déjà, ça a commencé. Déjà hier soir, notre fils aîné, alors qu'on était à table en famille, il a dit « Ah, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas prié tous ensemble. On pourrait prier pour la guérison ?» Et donc, on a pris un temps, tout simplement, les cinq en famille. Et puis, après ça, je suis allée me baigner. Et en sortant de la baignoire, j'ai glissé. Je me suis fracassée la tête. J'avais une grosse... bosse et mal à mon pied, et voilà, j'étais toute cabossée, mais heureusement, il y avait toute la nuit derrière, donc j'ai bien dormi. Et de nouveau, mon fils, je lui ai demandé du coup, j'ai dit, allez, viens, prie encore pour maman. Et puis ce matin, quand je me suis réveillée, la bosse avait disparu. Et alors, c'est vrai que je ne peux pas dire que je me sentais jeune de 20 ans, mais voilà, Alain a encore eu l'occasion de prier maintenant, et je sens que ça continue de se détendre, et je loue Dieu. Et j'aimerais juste aussi rajouter quelque chose, parce que Werner, il a parlé des petits pas dans la guérison, mais je crois vraiment que les petits pas, c'est dans plein de situations différentes qu'on peut mettre notre foi en action. Et bah, tout le monde sait notre vécu sur le TDAH, et maintenant, de plus en plus, j'ai aussi des occasions avec des professionnels de parler de ce trouble. Alors, pas que je ne crois pas à la guérison, hein, on prie, mais un pas après l'autre. Et en fait, cette semaine, j'étais invitée dans une crèche pour superviser une situation, ce qui est un petit peu hors de ma zone de confort, mais j'y vais. Et j'y suis allée, j'ai passé du temps avec le personnel à essayer de comprendre, les encourager, leur donner des pistes. Je suis rentrée à la maison à midi. À 3 heures, j'avais le téléphone de la crèche du village, non pas la crèche, l'UAPE, pardon, le parascolaire, du village d'à côté, qui m'appelle et qui me dit « Vous pouvez venir chez nous aussi ?» Et donc, je vais aller chez eux. Et pour dire, ben, c'est pas encore la guérison, même si je crois, mais en même temps, quand on saisit nos petits pas où que Dieu nous place et qu'on y va, même que c'est hors notre zone de confort, mais il y a des portes qui s'ouvrent. Amen. Merci, Karine. Voilà, on est déjà bien dépassé l'horaire, donc je vais sans autre conclure, mais on peut que s'encourager les uns les autres, n'est-ce pas, à cette semaine encore, oser sortir de cette zone de confort, effectivement, et à proclamer notre foi, à guérir les malades, ressusciter les morts. Moi, je me réjouis du jour aussi où on verra les morts se relever, parce que ça va arriver. Parce que moi, j'y crois vraiment, et je crois que... Mais pour ça, il faut juste qu'on ose aller quelque part prier pour les morts aussi. Hein. Donc là, il y a encore un petit pas qui n'est pas forcément évident à faire. Et chasser les démons, guérir les lépreux, moi, j'y crois vraiment. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Alors, cette semaine, je vous encourage, allez-y. Je vais essayer de me mettre aussi au défi. Et puis... Je prends déjà juste congé de ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. On vous dit à dimanche prochain. Et puis, on a juste une petite suite ici. Donc, tu peux juste mettre lancer la fin. Voilà. J'aimerais juste encore demander à Bernard et à Nelly de venir me rejoindre. Ils vont juste me donner un petit mot parce qu'ils vont quitter la région.